Mon captain madan gang nan. Sa gang yo gen yo gen problème. Mon cap dit ça. En bas live là, m'konne nous même haïtien. Tu pas ta kon trip. Même gen de madan gang gen problème pour ça. Et puis, pas occupé, pas occupé, yo tout service en bas chal. Même que madan gang gen problème pour ça. Mitsou go koko mrele tout côté qu'on aime son Mitsou go koko bi. Mbappé chay. Femme Saint Mac moi Mbappé rien. Ya Mitsou go koko tout côté tout Facebook qu'on aime Mitsou go koko chéri. Mbappé règle pour moi. Mbappé vive vous monde. Allez 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 gombo. Fay fay. Et son kon mado kon mado. Ap nourri ça lui même. Belgan, mais travail la justice là c'est un lot. Autrement dit, toute importance travail ULCCA a gagné, c'est le la justice lui-même li fait ce que de droit à partir des recommandations si vous voulez de l'unité de lutte contre la corruption. Hier, nous t'a parlé avec un juge instructeur et nous rivé entendre nous sur ça. Ça ULCC conclut dans différents rapports liés, c'est des recommandations. Il dit fort de toute ça fait comme constat à partir des enquêtes li mené mais qui ça li recommandé. C'est mandé à partir de tout ça yo joine yo décelé à partir de un ensemble de révélations qui découlaient de travail enquêteur yo eh bien mais ça la justice doit faire. Cependant recommandation demande comme vous voulez l'appeler c'est pas des décisions de justice et pendant toute semaine qui passe hier pendant semaine ça tout nous capitaliser sous lit. C'est pas décision de justice pour dire effectivement un tel li coupable de tel ou tel fait qui peut être prévoit ou bien puni dans un texte de loi. C'est pas dit ou dit un tel pas rien pour avec ça. C'est pas des ordonnances qui rendent qui pour voyer un tel aller devant un tribunal généralement quelconque soit tribunal criminel, correctionnel ou autre. Voilà pourquoi la justice, selon tout observateur avisé, doit en branle, ok? Doit agir avec célérité et ceci sans passe pour qui? Pour capable déterminer à partir de ça, ULCC recommandé, à partir de demande, à partir de conclusion rapport, qui sa bagay la y? Et du coup, fixer responsabilité. Si gine bagay ki pou clarifier, pour dire oui, compréhension ULCC à partir de tel dossier, il était erroné, voilà pourquoi. Oui, ULCC te gen raison, au contraire, mais des éléments supplémentaires qui viennent sous table qui prouvaient que ULCC ou bien les acteurs de l'ULCC étaient sous bonne voie. Hier, la grande nouvelle, surtout à la fin de journée, c'est que le commissaire gouvernement, Port-au-Prince, a parlé là de M. Edler Guillaume, lui-même, lui invité plus d'une dizaine de personnalités qui ont même indexé dans son rapport ULCCO pour comparaître devant la justice pour venir répondre à une question par rapport avec ensemble accusation qui portait et sous deux qui pesait sous deux
et moun sa yo pral gen pou défiler dans paquet Port-au-Prince à partir du 27 novembre 2023 et ceci jusqu'au 1er décembre. Grégory Lebain par exemple, gagnent monsieur Joseph Lambert, ancien sénateur du Sud-Est, lui-même nous connaît dans rapport ULCCA, eh bien qui indexé comme monde qui t'a détourné bien public, comme monde qui gagnait et matériel sénanamel qui décidait pour un réseau bien pour l'autre et par où mettre yo. Gagne également monsieur Garcia Delva, ancien sénateur du département de l'Artibonite. C'est presque même fait à yo reprocher ancien parlementaire Artibonite là. Gagne madame Daphnika Midley Paul, lui-même li indexé dans dossier bourse d'études que Fédération Russie octroyé à Haïti via le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Il y a monsieur Roland Garçon, c'est même dossier avec madame Paul que n'a vinn sous li matin puisque dans rapport ULCCA, eh bien ULCC recommandé entre autres pour mettre action publique en mouvement contre monsieur Garçon qui lui-même c'est fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et des cultes pour sa reler association de malfaiteurs et puis concussion. Gagnant madame monsieur de préférence Richard Lénine Hervé Foucan, c'est ancien sénateur du Sud qui lui même doit répondre et question commissaire gouvernement Port-au-Prince dans quatre dossiers détournement bien public machine Sénat etc. Gagnant monsieur Wannick Pierre, ancien sénateur du Nord-Est, c'est même bagalatou pour l'autre parlementaire. Gagnant monsieur Norbert Stainfield, qui est même tadoué Aldi commissaire gouvernement, qui sa bagarre puisque non le cité dans le rapport ULCC produit sous immeuble, eh bien, ensemble responsable ou bien des responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale, loué pour loger ou ensemble de services et de direction en d'un ministère là, et ceci par moins de 17 locales. Gagnant monsieur Nenel Kassi, ancien sénateur du département de NIP, qui est même tadoué. Eh bien, à répondre question commissaire gouvernement Port-au-Prince, nous croyons c'est 28 novembre qu'ap venir là parce que il reproché ancien sénateur comme monde qui t'arabe riche non badger et ceci de manière illicite. Il parlait tout de Peterson Juste, les mêmes qui épinglé dans scandale de corruption autour de Kaïsa et on a acheté dans main ancien député Alfredo Antoine Junior. Gagnant également monsieur le député, bon, monsieur l'ancien député Alfredo Junior Antoine, pendant qu'on a parlé de l'IA, qui lui-même doué comparaître devant parquet le 27 novembre, qui a pointé là pour blanchiment, etc., du produit du crime, et selon ça qui est écrit dans la correspondance qui a rejoint l'ancien DPA. Et puis, il y a madame Stéphanie Mondestin, qui c'est l'ancienne directrice générale adjointe de l'ONA, qui lui-même tout. Doué à répondre à une question commissaire gouvernement Port-au-Prince le 27 novembre, parce que non le cité, non, et scandale corruption, ça, Andalona, qui vient pour avec Kaïsa, institution achetée, n'a mais EDP Alfredo, gué, Jim, Lee, Marc Jean-Baptiste, ancien directeur général ONA, qui le même tout, doué à répondre à une question commissaire gouvernement, pour la dit commissaire gouvernement, qui s'abagalaye, puisque non le paraît dans le rapport ULCCA, et ceci c'est prêt pour le lundi 27 novembre 2023. Comme nous connaissons, ULCC était mandé pour mettre action publique en mouvement contre M. Jean-Baptiste pour abus de fonction, etc. Donc c'est autant de monde, si nous voulons, qui t'a dû rejoindre, eh bien, correspondance Pakea pour aller monter des sons pour aller dire qui s'abaga là et de qui manigas. ULCC cité Noyo, non série de dossiers comme ça. Maintenant, la grande question, est-ce que le commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, M. Edler Guillaume, li nan bon doual? M'bakoué moi-même, moi gen qualité, moi gen compétence nécessaire pour me répondre à la question ça. M'bakoué matin, m'ap vin là pour m'ap questionner, si vous voulez, la légalité de la démarche du commissaire du gouvernement. Cependant, pour un peu le monde qui suit Guerrier du Seul de près dossier ça, c'est un bon signal.
bon signal dans la mesure où un ensemble de dossiers par le passé qui sont arrivés sous table commissaire gouvernement yo, pour une raison ou bien pour une autre, c'est un d'autanté où on va jamais parler de dossier encore. Parce qu'il y a des commissaires, j'en ai parlé ça avec juge instructeur hier, qui ont décidé yo qu'un dossier yo classé sans suite, yo pas fait suivi judiciaire yo selon ça la loi mandé. Il y a des commissaires gouvernement qui ont estimé que pas gain matière, vous comprenez? Selon appréciation par yo et puis yo cassé feuille couvrir ça. Donc ni droit un tribunal là, encore moins juge instructeur pas au courant effectivement si t'es gagné on va comme ça qui était existé comme dossier comme ça il y a le commissaire au gouvernement effectivement qui compte recevoir dossier et puis qui fait tout ça possible qui fait le nécessaire pour dossier à joindre doyen tribunal en question hein. Et puis après ça doyen lui-même Jean la loi mandé ça lui chercher un juge ou bien choisir si vous voulez un juge instructeur li bail pour instruire dossier. S'il est vrai que moi-même ou même les mêmes capables de considérer ça comme un bon signal. Maintenant, il faut que nous pas courir de manière émotionnelle pour nous dire la justice a travaillé. Est-ce que c'est pas peut-être un one man show qu'a fait? Est-ce que c'est pas gymnastique qu'a fait tout pour essayer bail dossier à l'autre orientation? Etc. Ou pas qu'à empêcher moun zaye ou même yo questionner dans sens sa tout. Et gen l'autre catégorie moun qui ta capable dire oui, le commissaire gouvernement li fait sa yo, à savoir écrit moun qui indexé yo pour vin devant pour le poser aux questions, etc. Maintenant, gen moun kap dire et après, qui sa attente yo capable? Est-ce que gen de moun effectivement, si yon pas trop clair dans l'explication yon pral baye commissaire ka tout dit en attendant que le dossier alpe loin, fon kembe moun sa yo, mette yon kote pour machine pas frappe yo, même là encore, pas pral gade, est-ce que ça n'a attribution commissaire ou bien c'est commissaire, pardon, li genye provision légale pour l'agir dans ce sens, mais là ça m'intéresse, mais c'est question m'a posé, ou bien est-ce que commissaire pral fin tende tout moun, la pral passe men en tête yon, le dit, allez la kaido, et puis sont tende ya, ou pas tende parler de baye comme ça. Ça c'est peut-être moun k'ap questionner toujours mais que l'autre moun ka dit ah ou est-ce ça k'ap fait là c'est du feu pas émaillé dans sens que le pa pral plus loin que 1er décembre là puisque ensemble d'invitation ça yo étant yo sous entre 28 novembre bon 27 novembre de préférence et 1er décembre 2023 que moun ka dit il va pas plus loin que 1er décembre là bon ça c'est appréciation moun là pour qui ça parce que moun yo estimé ça n'gen là comme justice guerrier du seul li pas inspiré confiance. Gon ensemble de dossiers du genre et même qui kon beaucoup plus troublant que ça yo pas jamais rien qui fait au niveau de la justice avec yo. Le gars m'a dit qui garantit yo gagne foi ça que la justice pral prononcer sous dernier groupe rapport ça yo que ULCC transmet by autorité judiciaire yo. Semaine qui se passe à là. Il y a mon gars qui garantit au gain que fois ça la différent. Est-ce que la justice pas va rentrer dans même rhétorique? Yo prend dossier alors font titan de parler de lui. Après ça, les nantiwa pas jamais qu'on ça le devenu. Et c'est ça tout. Me pensais qui préoccupait un ensemble d'organisations de droits humains tant qu'au OCNH, tant qu'au la Fondation J'éclairé FJKL qui demandait après au fin saluer travail ULCCA pour autorité judiciaire fait tout ça qui dépend de yo pour aller au plus vite pour permettre que gain lumière qui fait autour de conclusion ensemble de rapport ULCC guerrier du seul par exemple moi ouais ça constitue tout un point de préoccupation pour guerrier la FJKL qui dit depuis la création de l'ULCC c'est plus de 80 dossiers 87 pour être plus précis qui a rejoint la justice et jodi a là ni moins ni ou pas en mesure pour nous connaître de manière détaillée qui sacrivé chaque grain dossier sinon que nous kembe te gagne une condamnation et c'est l'une toujours à répéter est-ce que gagne des procès qui t'est fait et que gagne des monde qui t'est blanchi on pas au courant si oui combien on pas au courant est-ce que gagne des dossiers qui t'est perdu au niveau de greffe tribunal là on pas au courant est-ce que gagne des juges instructeurs qui gagne des difficultés yon plus significative parce que l'autre pour instruire ensemble des dossiers nous pas au courant mais ça que certain nous connaît que gagne plus que 80 dossiers qu'al joine la justice haïtienne, c'est des dossiers qui
concerné un ensemble de rapports ULCC produit depuis 2004 souvelé jusqu'à jodia. Donc son grain seulement qui était dans mémoire moun yo à chaque fois y a parlé de la justice ULCC etc. Qu'on y a là nous sommes parlé de commissaire gouvernement qui gagne droit décider soit kembe dossier a parce que li wè pa gen assez de matière et puis li classe le sans suite. Mais qui est l'autre commissaire tout qui pour protéger un moun ou bien un groupe moun qui konn décider pa bay suite à dossier délibérément. On pas dit c'est le cas pour peut-être commissaire gouvernement Port-au-Prince mais nous dans pays a commissaire gouvernement Port-au-Prince qui là pas toujours Port-au-Prince. Le gars l'autre commissaire qui passe et l'autre bail comme ça tout qui produit dans ensemble de l'autre juridiction en dans pays il y a des commissaires délibérément qu'on décide OK pour raison et personnel pas hein pas pour la République attention hein on comprend qu'on décide qu'un dossier il pas envoyer le côté le doit envoyer là on pas comprendre comme ça tout commissaire qu'on décide li voyer dossier à bail doyen et puis gien doyen tout faire superstar en fonction de intérêt dans tel ou tel dossier qui ça me les faire superstar par exemple. Et doit il doit décider les dit ouais dossier ça moun qui épinglé là dedans c'est moun pam si me besoin pour pas parler de dossier ça encore ben m'envoyer le bail tel juge pas juge ça un on connaît si m'envoyer le bail m'gon regard m'a kagne sur dossier mais que la loi dit depuis là mais juge et cetera juge là lui même les grands monde veut ça veut mais doit il doit dire cette dévisé dans mais juge guerrier lié guerrier c'est nèg bam nous ca le boire du vin ensemble nous ca discuter autour de verre m'ca dit guerrier et mais comment pour l'orienter et ordonnance et cetera mais comment vous l'instruire dossier parce que moi gagne un monde ou bien moi gagne un groupe monde moi veux protéger même Jean tout doit dire tête li comme li connaît juge Reginald Robelson son juge qui remet et casser fait couvrir ça la baille juge Robelson il connaît depuis le bail c'est enterré dans l'intérieur pas j'entends parler de bail comme ça et puis il décide bail juge Robelson même Jean tout doit dire comme ça juge Grégory lui-même depuis m'balé me connaît son nèg qui très sérieux qui très sévère mais comme nèg ça me parle mes forme tête lui ou bien il pas de la même chapelle politique que moi donc m'a voyé le bail juge Grégory pour péter grenier pour péter grenier ou jeune ça tout m'a dit c'est tout doyen comme ça mais comme ça tout doyen tout qui fait travail lui et en toute âme conscience vous comprenez qui choisit juge lui sous sans aucun arrière penser ou jeune ça tout parce que m'a pas mettre tout monde dans même panier pardon mais faut nous d'accord tout gain ça. Il y a un nègre là qui doit rien, qui connaît s'il besoin tout fait un dossier, bah qui juge pour le voyer. Et pas quoi c'est un avocat matin, c'est un commissaire gouvernement matin, et même un doyen matin qui prend le dit c'est pas vrai. Ça existe dans le pays. Il connaît si au besoin dossier ça avancer, qui juge instructeur pour bah lui. Si au besoin pour aller non tiroir pour poussière prendre qui juge pour bah lui. Si au besoin marre vagabond tout, qui juge pour bah lui. Parce qu'il y a un juge qui travaille plus bien par son lot, il y a un juge qui est plus sévère par son lot, il y a un juge qui est plus, entre guillemets, excusez-moi l'expression, qui est plus grand dans Mouda par son lot. Par contre, vous comprenez. Donc, doit rien ça autour, vous pouvez jouer sous sa loi Bayo pour orienter le dossier à selon vous-même, selon l'intérêt que vous avez dans le dossier. Même j'ai tout, il y a des juges instructeurs, doit rien qu'on balle le dossier sans aucun arrière-pensée. Et puis, son juge qui tout naturellement pas reçu. Qui tout naturellement pas reçu. Par contre, vous comprenez. Yo bal travail là, il a calbendé, c'est garder dossier sous dossier, yo rempli l'on côté, pas bien suivi que fait. Comme ça, tout y a un juge qui doit être intérêt dans le dossier à tout. Il doit avoir un monde qui a besoin de protéger tout. Dans le dossier de Vinjun Mia. Il doit avoir un monde qui a besoin de faire règlement de côté avec. Bon, c'est dommage, n'a pas parlé de justice à cause ça, mais c'est une réalité. Par contre, vous comprenez, qu'on s'aguerrier du seul, l'ordonnance, c'est parce que vous peut tout. Si vous voulez suivre ni la loi, ni conscience, etc., guerrier, vous rédigez l'ordonnance, vous avez couru. Vous avez dit, ah, vous avez madame, vous avez petite, vous avez famille, etc., vous avez pas rend une ordonnance qui pour mettre en difficulté. Et puis c'est en d'autant de pages une ordonnance qui rend nous ensemble de dossiers guerriers de seul. Donc l'orgueil tout ça comme réalité qui ça résultat est un ensemble de dossiers qui viennent à souffrir
bon quantité de dossiers qui journée jodi a au niveau de la justice ni moi ni ou guerrier du seul soit pas connait qui côté ou fait ou bien tout nous pas connait dans quel niveau yoyé c'est dans d'autant de gain 10 ans passé gain 15 ans qui passé gain 20 ans qui passé et cetera ou pas jamais entendé et ça fait jodi a là ouais ULCC fin fait travail ça, yo di tous les yeux sont désormais rivés sur la justice, mais la justice n'a pas allé à tout parler sur la justice qui fait objet d'un paquet de critiques. Yo critiqué juge, yo critiqué acteur, yo critiqué système là à tout le monde qui constitue là par rapport avec toute sorte de problème sur faire là comme considération guerrier de seul. Hier nous t'ai recevoir dans espace ça magistrat Lubens Elize, qui est juge instructeur, lycée président réseau national magistrat haïtien. Magistrat Elize t'a essayé faire avec nous, ça n'est pas capable, une radiographie du système judiciaire haïtien, ne serait-ce qu'en partie. Gade bah, magistrat dit là, gade bah, tout liban nous comme élément de réponse à partir ou ensemble de questions déposées. C'est des bagailles nous habitués tant déjà. C'est de bagaille de l'autre acteur qui dit ou déjà. C'est de bagaille de l'autre structure qui souligne ou déjà. Mais cependant, je ne vais pas le dire nous matin. À chaque fois que nous tendez bagaille ça, c'est crier nous devons crier. À chaque fois que nous tendez bagaille ça, c'est rendre, nous devons rendre nous compte à quel niveau. Question fait pays, il n'y a pas d'agenda nous du tout. Donc ce n'est pas un hasard, j'aime toujours dire ici, qui fait aujourd'hui à nous gagner ça comme pays. Et me toujours expliquer ça, ne serait-ce que pour plaisanter. Je dis à ou ka comparé Haïti à un chambre garçon. Attention, c'est pas garçon qui propre, etc. Même les pas un gros moyen, mais de pour entrer dans chambre ni ou même comme figure une visite ou en vérité. Yo gen droit dire maman mourir là ou dit mettre dans mort venir parce que sent bien côté là. C'est pas deux chambre garçon ça n'a parlé. Côté arrangé ti cabane ni même l'elle pas gen chaise, vous comprenez ti et capet li a terre bien senti bon petit poster dans tout un mur on prend des gon petit frigidaire bay et puis tirad li bien rangé petit tennis et pas de chambre garçon ça n'a pas parlé hein on va contre guerrier retourner dans chambre garçon même certains guerriers et fait partie des nèg plus ou moins propre n'a parlé de nèg qui sangouin chambre garçon sangouin comme si des pour paraître ou était trop viré grain tennis ça bon frigidaire grain chaussette ça et sous pas porte là. Et bien c'est comme ça que je dis, on peut comparer à Haïti. C'est la justice haïtienne. En particulier la justice haïtienne. Tout le monde est en débandade. Parce que, au-delà de ça, nous sommes dit là, et commissaire qui a intérêt dans le dossier, doyen qui peut-être voulait tout faire une série de dossiers parce que il a besoin de protéger des gens ou bien il a besoin de gérer l'autre bagarre à l'autre monde. Juge qui pas reçu. Ou comprenez, juge tout qui peut-être tout apprend, moi apprend l'agent dans le même monde. Et rapport de certification. CSPJ au sorti pendant le dernier moment, ça, on entendait qu'il juge et qui impliqué dans une série de actes de corruption. Et juge qui paie, rend ordonnance parce que yo pas vla le bois chat, parce que vous voulez mourir, parce que vous voulez protéger la famille. Mais il y a les conditions de travail tout des magistrats, guerriers du seul. Parce que, m'pas vle, le nap gade ba là, nous juste gade dans une seule direction. Oui, gen sa yo, mais de l'autre côté, il y a les conditions de travail. Comment comprendre pour répéter. Magistrat Lubens Elize. Depuis les nèg village de Dieu, nèg Izoyo, yo fin prend d'assaut le palais de justice de Port-au-Prince. Eh bien, 30 juges et plus qui te doivent disposer, disponibles pour le tribunal là. À peine si nous quoi calcul magistrat Elize, aussi gon 6 qui a fonctionné, oui. Parce que, en gade qui sa ba alaye, depuis le palais de justice krasi, a bandit prend palais de justice là. Yo met tout moun dehors, gon paquet de juge instructeur qui dans la rue qui pa gen bureau. OK? Donc yo ba yo un petit espace au niveau de Konal là, sous route frère, yo ba yo trois chambres. C'est me ka dire comme ça. Pas même chambre ou ta capable dire qui répond en prendre avec norme et cetera, ko ka gen bel bureau recevoir moun, ou comprendre classeur, tout ba net, pas de ça n'a parlé. Trois petits coins ba yo. Et exactement là m'ta pral rive. Gagné au campé génératrice. Deux juges instructeurs qui partageaient chaque une chambre de ça. Petit chambre ça. Quand il y a depuis 2 heures. Depuis 2 heures, ils ont décidé de couper courant dans le bâtiment. Alors que 2 heures après la pause, le juge l'a fini de prendre le lunch. C'est les salles de cas sous travail 2 jours. Mais l'obligé est fini.
parce que si bas là fait chaleur, conditions pas réunies pour l'été, etc. Donc l'obligé rapide vite quitter ça. Par contre, vous comprenez? On juge qu'il doit instruire un dossier là, et puis carrément demander la police, ou bien qui n'est qui gère prisonnier au niveau de pénitentiaire. Mon appena yo? Oui, appena. Oui, l'imande, l'imande d'ap. Épine. Oui, épine, ok. L'imande yo, pour mener tel monde pour lui qui est en prison. Et puis, regardez, yo, dit, ah, machine n'a pas un gaz, non, papa, nous ne pouvons pas monter jusqu'à l'aise. Machine n'a pas un caoutchouc, non, nous ne pouvons pas monter jusqu'à l'aise. Bon, on a plus belle là, très récemment, là, il y a deux juges instructeurs. Quand travaille sur le dossier, vous demandez pour mener un prisonnier, bah, on l'a, puis vous attendez dans quatre dossiers. La police vous goza a et l'autre bois fragile a évité l'homme qui l'a, il va avaler. C'est des pays n'a pas. Eh ben, il m'a crié, malheureusement, obligé. Mais rien va passer pour un rire sincère, non, papa. La police vous mouche et prisonnier pas en sécurité, t'as l'autre de déblosaille, lui sauver ou bien vous prenez la main, etc. Donc, il faut tenir compte de ça, tout comme paramètre. Donc, on dossier comme ça, on va arriver dans des mondes. Donc, il va souffrir. Il va souffrir. Et laisse à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an qui doit passer, pas j'aime grand donner ce qui 40 parce que yo pas fini de tout le monde. Par contre, vous comprenez? Derrière Dieu seul. Yes, yes. Bon, comment comprendre, magistrat Loubens Elise, dit nous, raison. Mon décision juste d'absorber pour y aller imprimer, c'est dans le cybercafé pour y aller imprimer. Comment ça, mes amis? Comment cybercafé? Bon, oui, là, on finit imprimer le cybercafé. Si cybercafé a décidé lui-même, il falsifie. Bon, on dit ça. Si on a étudié tout le bail possible. Ça veut dire pas qu'on imprimante. Pas, ah, qui bon ça? Il y a des juges qui n'ont pas un bon imprimant dans le bureau, non? Par contre, vous comprenez, non? De la justice, t'as parlé, là-bas. Il y a des juges instructeurs qui sont seul. Jean magistrat Loubens Selize, t'as parlé avec nous là. Même mon ordinateur, il n'y a pas ouvert. Il y a des plaisirs avec magistrat qui sont bien. Il y a des gens qui connaissent qu'il faut ça à tête, vous comprenez, qui très formé dans le niveau ça. Vous comprenez, qu'on est qui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas ton cours? Et informatique. Informatique biotique. Non, t'es capable, ça. Dans l'école magistrature. Je ne sais pas si comprendre, guerrier du seul. Donc, même évasion, ça n'a pas les pour question système justice. Est-ce qu'on te connaît pour un ensemble de dossiers? Juge instructeur, tu commences à travailler sur yo qui est en bas. Depuis les magistrats ISO, avocat yo en bas, et lui-même qui doit rien, bon, disons, doit ISO, ISO, avocat yo en bas, fin pour parler de justice. Dossier ça, tu as perdu, tu as perdu, non? On t'a parlé avec magistrat Élise là, on te dit maintenant est-ce qu'il pas en difficulté maintenant pour reconstituer dossier ça yo. Dans cas ULCC a dit il y a une possibilité si rapport disposé, rapport disponible, mais attention, si il y a des monde qui commence tendre ou bien si il y a des monde qui doit tendre dans cas dossier ça yo, est-ce que monde là toujours, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va dans pays ou pas? Pas reçu, comprendre. Donc du coup, si dossier ça lui-même, il y a pas jamais qu'à joindre tracé pour reconstituer, monde qui dans prison yo, tout était dans prison. Et du coup, nous renforcer cette question. C'est de la justice n'a pas parlé, oui. Par contre, vous comprenez. Matin, là, je suis prêt toute l'heure pour m'adresser à un certain problème. Yo. Mais qui ça me veut expliquer aujourd'hui? Corruption, attendez. Qui aujourd'hui a toute importance ça? Qui aujourd'hui a occupé toute place dans le pays? Ya? C'est parce que, bon, volet qui monte sur table qui est l'impunité. Mais qui meilleure façon de combattre l'impunité, madame, monsieur? C'est l'ordre de justice qui faut, oui. Qu'est-ce que l'impunité a pour Reginald Robertson? C'est l'on a décidé de rentrer la carole, il n'y a pas de monde qui pose la question. Non? C'est l'on a décidé qui l'on doit mourir, qui l'on doit rester en vie. Oui? C'est l'on a décidé de dans l'état là et de faire sur facturation, de détourner l'argent, de bailler pour de vin ou bien faire n'importe quoi là. Oui? C'est l'on a décidé de violer la loi et puis personne ne pas poser la question. Est-ce que l'impunité a? Par un côté, il est à l'aise. Je dis à nèg ka les revolver li touye trois moun là et puis il prend moto dans chavan dans le passé pas gen moun k'ap di rien d'abord dans population k'ap di rien et il pa gon la justice qui prend relèl qui prend dire comme ça et cetera et dès qu'il nèg fait ça et puis pour yo bal peine selon ça li commettre comme infraction c'est ça l'impunité ay nèg a gen droit comme ça ou li gen contrôle tel juge li gen contrôle tel commissaire li gen contrôle tel groupe d'acteur ou bien le sous pouvoir rien pa ka arriver c'est ça oui l'impunité ay. Et de fait, les gars font le défait, ils ont la justice, après ça, ils ont 6 000 qui fait, là, ils font le défait, les gars ont le basso, ils ont même qui respectent tête ou pas dans l'air. Et ça, c'est l'impunité. Et puis, c'est les gars qui ont un nom qui cite dans le volet. Et pour les gars qui ont un grand basso, et ça, c'est l'impunité. Pour qui ça, parce qu'ils connaissent, pas un monde qui a demandé le compte.
nèg a presque manko dégâts comme c'est ou c'est ou même qui gagne non cité dans voler. Tout plus en tobasse. Par contre, vous comprenez. Et puis il était assez là par exemple où c'est un fonctionnaire et puis aussi cité non non dossier, un mauvais dossier et pour style a fonctionner a jouer privilège. Ou style a monter descendre dans hôtel dans restaurant. Ou style a toucher l'argent d'état a pour les machines gros figure puis sécurité d'ailleurs. On a une cité de voler. Il y a pas de sécurité. C'est ça qui est unité haïti. Or dans les grands pays, pour pas même dire grand pays. Dans les pays qui dit yo sou fait pays, yo sou construit pays. On est où non fonctionne d'administration publique là. Non cité, seulement non mauvais dossier. Yo pas besoin qu'on sou coupable ou innocent. Premier geste là. Ou démissionner ou mettre à la disposition de la justice. Mais Haïti nous pas cultivé par comme ça. On garde sous gouvernement Ariel là. Le ministre des Affaires sociales et du travail. Quoi Rico Sidney, Pierre Rico Sidney on va comme ça. Bon juge qui voit Michel juger devant le tribunal criminel lui, il est encore ministre. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. M'a dit au coupable. Mais par le simple fait que non cité, non dossier de corruption, la première démarche serait quoi? C'est métaux disponibles pour la justice tando. Et c'est la justice qui peut déterminer si ou coupable, si ou innocent. Voilà de quoi on parle. Parce que position où il y a non pas de diversité, n'a mal propre été comme ça. Doit être au-dessous de tout soupçon, voire vous César. Par contre, vous comprenez. Donc je dis à la Sindi, nous voulons combattre corruption. Et puis, nous ne mettre un système de justice en place qui digne de ce nom. Qui peut permettre que l'on n'aigrive non position dans le pays. En vain pour commettre un acte de corruption. Lui oblige à réfléchir 10 000 fois parce qu'il connaît mais qui s'accapitonne lui. Moi-même jusqu'à minute m'a parlé là. Moi j'étais convaincu. C'est pas haïtien qui peut voler sous la terre béni. Jusqu'à minute m'a parlé là. Moi j'étais convaincu. C'est pas haïtien qui peut corrompu sous la terre béni. Maintenant classement Transparency International là. Malgré un grand ensemble de pays qui très bien positionné dans le classement. C'est pas parce que pas de corruption. C'est des mécanismes qui ont mis en place pour combattre la corruption. Moi, je suis certain que des Américains là qui sont chefs. Je suis certain que des Français là. Je suis certain que des Canadiens qui sont chefs là. Si c'est en Haïti, ils ne sont pas de voler passer. Ou quand pour qui ça allait dans l'autre pays, ils sont obligés de réfléchir 10 000 fois avant le fond ça, c'est parce qu'ils connaissent ça qui arrive. Parce que les gens ont dit si je prends l'argent de l'État, ça me fait tel autre bagarre avec elle. Etc. Mais qui s'accapitonne moins. Mais lui, ils ont mis des mécanismes en place qui pour permettre que les nègres dans la position, même les tentés comme monde, mais ils obligé de réfléchir 10 000 fois, les gars d'avenir. Mais ici, tel n'est pas le cas. Ils prennent voler, ils prennent corruption pour la norme. Donc, d'où la notion d'impunité. Jovenel Moïse, les messieurs fait monter sous pouvoir, de regretter mémoire, les 10 plus gros problèmes de l'IA. C'est corruption, etc. jusqu'à 7 fois. Moi-même, je t'ai dit ça là déjà. Pour moi-même, problème pays, il n'y a pas corruption. Problème pays, c'est impunité. Au cas saisi, ouais, si c'est vous-même qui débattez l'argent, puis vous avez volé, Au cas saisi, vous avez volé, qui n'est pas matériel, qui n'est pas acheté, qui n'est pas tête sans cheveux. Mais si tu as gagné, la justice qui t'a servi contre Nexao, même l'autre volé, elle a dit même temps l'autre, il a arrêté, il a perdu toute liberté, il a saisi à femme, petit peu pas à l'école, etc. Par contre, vous comprenez. Donc, tout autant, nous pas accepter agir sous la justice là pour nous résoudre voler impunité, la corrélation qui existait entre misère, corruption et impunité, mon cher Mbappé Bonomati, n'a toujours fait rapport, matin, midi, soir, et puis Nexao qui volé, a toujours eu la voix au chapitre pour y parler dans la radio, pour y circuler. Sous place publique, roule go machine, pile sécurité dans derrière yo, et gen yo même qui a paru là pour le présenter dans la prochaine élection. Matin, on a fini avec rapport ULCC. Nous dit nous ça, ça m'te vle fait comme travail, c'est dit nous qui ça dans le rapport yo, et puis expliquez nous ça qui dans le rapport. Matin, nous t'a doué lumer projecteur sous deux derniers rapports de choisir, à savoir
rapport qui concerne les loteries de l'État haïtien et puis rapport qui vient pour avec et ces bourses d'études que la Fédération de Russie octroyée à Haïti via le ministère des Affaires étrangères pour l'année académique 2022-2023. M'pap trop sous rapport Lotria puisque son supplément lié, son deuxième phase, non rapport qui était déjà initié, ok, sous gestion madame Marie-Margaret Fortuné Dodier, qui lui-même était dirigé Lotria sorti 2016, rivé 2018. Nous connaissons comment conclusion OTE. Yo dit que madame nan, selon rapport ULCCO, a détourné 40 millions goudes et plus. Nous avons traité dossier ça déjà, dossier au niveau de la justice, et nous avons un juge instructeur. Donc jusqu'à présent, nous ne connaissons pas pour qui ça, et pas d'avancée qui fait, pour qui ça, tout pas ordonnance qui rentre. Mais ça, ça nous noter dans la deuxième partie rapport, yo plus, et garder un partenariat entre ANTB, Association Nationale des Tenanciers de Borlette, etc., et LEH, qui c'est l'autorité de l'État haïtien, un partenariat qui constitue un manque à gagner pour l'État haïtien. Donc ça veut dire que ça, un ensemble de l'argent, si LEH te joue rôle régulateur, comme ça doit, dans mi-temps, jouer Azario, l'État perdu, c'est certain, l'État pas perdu. Donc c'est ANTB qui prend contrôle et secteur ça, et c'est lui qui décide tout. Mais à quel niveau LEH a intervenu, mais quantité de l'argent qui a allé dans le trésor via l'institution ça. Et je pense que dans la recommandation et ULCCO, il faut que tu aies un partenariat ça et il faut que tu aies fait en sorte que LEH joue Wally comme ça doit. Donc, ne pas prêter trop sur le rapport ça, puisque je ne dis pas c'est un supplément lié par rapport à un rapport qui était déjà fait, dans lequel Madame et Margaret, Marie-Margaret Fortuné, lui-même était épinglée pour avoir détourné, selon l'ULCC, près de 40 millions de goudes. Maintenant, on a allé dans le dossier bourse d'étudiants. Nous avons dit dossier, ça, c'est un dossier qui est capital pour moi. Pour qui ça? Parce que contrairement à ça, mon a dit que les journalistes n'ont pas fait enquête, etc. Ce n'est pas enquête qui n'a pas fait. Il y a des journalistes qui, un, ils doivent décider, ils même voulu protéger la tête avec la famille, ils n'ont pas rentré. Mais il y a une question de moyens. Tout. Parce que faire enquête dans tout pays sur la terre, il y a des temps, il y a des moyens. Donc c'est pas pour ça raison qui fait ouais bon ensemble de médias en Haïti qui pas forcément intéressé avec ça. Moi-même à partir de en dénonciation que me déjoigne, m'étais ouais dossier a été intéressé, m'aller mener enquête moi. Me vinn là nous faire plus de 3 émissions nous expliquer qui ça nous joigne dans travail d'enquête là. T'es gain deux monde nous t'ai indexé dans travail pas nous. Et pourquoi qui ça monde ça a été fait? Monde ça a été préféré monter eh bien en quantité étudiant contre moi. Fait ap écrit lettre voyé par ministre dit son journaliste qui a radoté sous Caraïbes qui par contre ça l'a dit fait ap fait menace au point que gon étudiant qui t'ai écrit là vous comprenez etc même c'est rentrer dans bataille ça si moun pas rentrer dans gendarme gon qui sa conséquence au caï etc me fait travail là comme ça doit. Yo joué, yo pompé, yo dit timoun yo c'est moi même qui a crasé bouse là et timoun yo font bloc contre moi. Bon gen moun qui même relé me dit citoyen soit cité non là là, c'est pas on qui joue devant l'argent non. Faut veiller côté pas mettre pied oui. Malgré ça me venir quand même moi dit. Et ben au compte qui ça ULCC c'est fait. ULCC c'est elle font enquête là madame monsieur. ULCC c'est dit tout ça te dit sous gars, c'est vrai. Et ça ULCC c'est dit au côté ULCC c'est gien de bail ajouter encore que me battre même connait même. Nous estimons que nous avons parti à approfondir ça. Malgré tout ce temps de me débattre, comme élément. On a qui a une voix, qui a une fiche banque, qui a une victime, qui a victime, qui a une parole, qui a toute conversation. Moi-même, oui. Et puis, je dis que je vais on garde qui ça. Et ULCC dit dans le rapport ça que moi-même considère comme rapport PAM. Un rapport PAM même. Parce que moi, je fais travail avant ULCC. Comme ULCC, il y a plus de moyens passés, il y a plus de technologie passée, il y a l'argent passé. Il y a plus de monde passé de qui côté arrivé. Et bien, qui ça ULCC dit guerrier de seul. Après, tu fin une dénonciation sur Radio Caraïbe, qui vient pour avec éventuel fait de concussion, avait dit, on monde qui dans fonction publique qui a pris l'argent dans le monde pour faire le bénéfice en série de bagailles. Dans le processus sélection bénéficiaire pour bourse études que Fédération Russie, les mêmes libères gouvernement haïtien pour l'année académique 2023-2024 là. Et tu as l'autre signalement tout sur les réseaux sociaux au sujet ça. Comme quoi, tu as un scandale de corruption dans le ministère des Affaires étrangères et des cultes concernant le même dossier. Et bien, après ça, et ULCC constitué équipe guerrier du seul, ils ont mis enquêteurs en branle
il y a regardé qui ça bagaille là. Eh bien dans cadre investigation ça guerrier du seul, commission enquête là li mandé ministère affaires étrangères pour te mettre à la disposition l'ensemble des formations et puis documents qui gain pour avec bourse d'études ayo et spécialement documents qui définit cadre coopération entre la Fédération de Russie et le gouvernement haïtien. Commission est allé dans direction générale des impôts pour regarder qui ça le joindre sous une entreprise qui est Nika Multiservices LLC. Et bien là où il veut DGI joindre que entreprise ça c'est pour madame qui est Daphnica Midley Paul. Et c'est entreprise ça et bien il utilisé comme agence de voyage les a négocié avec postulant pour capable faire bénéficier de bourse là. Commission en dit l'autre côté li aller dans Unibank. L'arrivée dans Unibank, li mandé Unibank pour mettre à la disposition l'ensemble d'informations qui concernait numéro compte en banque Mbrel Baye là 180-2016-02-237-3076 qui enregistré lui-même sous nom madame Daphnica Midley Paul et c'est madame Zaha qui utilisait compte ça sous les guerriers de seul pour capable recevoir l'argent que vous exigez dans mes postulants pour capable aller en Russie dans cadre bourse. Finalement, commission attendait un monsieur qui relait Roland Garçon, monsieur lui-même lui affecté à titre d'attaché 1 dans coordination programme bourse études souvelé dans direction des affaires culturelles du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Commission a dit lui parler avec un monsieur qui relait Jean-Roland Elie. Jean-Roland Elie ça, il c'est président Association des anciens boursiers de la Russie. Commission a dit lui parler avec madame Yves Rose Green. Madame ça c'est directrice des affaires culturelles du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Commission a dit madame monsieur, n'a pas noté ULCC pas arrivé tendre madame Daphnica Midley Paul. Mais ULCC dit lui contacter madame nan téléphone, madame nan t'est accepté pour venir répondre question enquêteur ULCC sous dossier ça. Mais là on voit invitation en Bali pour dire mais qui le audition a fait et ceci vous voyez le par courriel et pour une raison bien pour l'autre madame n'a pas venu. Cependant un peu plus tard madame n'a pas dit bon il pas en Haïti à cause étude li que l'a fait dans pays étranger donc il pas ka rentrer etc. Eh bien ULCC s'est dit malgré ça commission a décidé analyser plusieurs documents et informations yo joine pendant fait enquête là. Eh bien qui ça analyse yo révélé, yo révélé eh bien que effectivement gouvernement fédéral Russie li te bay Haïti 25 bourses d'études souvelé et via le gouvernement haïtien pour l'année universitaire 2023-2024. Gen deux correspondances qui datent de 24 mai 2022 à 23 décembre 2022, OK, qui t'a joint ministère affaires étrangères et des cultes et qui sorti dans ambassade Fédération Russie qui dans pays Venezuela. Première correspondance là qui rivé dans ministère le 24 mai 2022, il était précisé clairement gouvernement russe là, il offrit citoyen République d'Haïti aux possibilités pour aller étudier non série université russe. Liste boursier qui ont arrivé kembe pour année académique ou bien année universitaire 2023-2024 là, il était doué à joindre souvelé mission diplomatique russe là dans Caracas pour pita 10 juin 2022. Comme ça, le 20 février 2023, ministère des Affaires étrangères et des cultes publié un avis qui informait public là gouvernement fédéral Russie bail 25 bourses d'études à étudiants haïtiens qui t'a souhaité al poursuivre étudio dans pays là aussi pour année académique 2023-2024 là. Pendant yo tout mettait dans avis ça qui condition yon moun doit satisfaire ou bien doit répondre avec yo pour capable postuler pour programme ça et date limite là pour te déposer dossier candidature yo etc. te communiquer en dans avis ça. Cependant enquêteur yo dit à partir de données yo recevoir eh bien yo rive confirmer tout ça t'a dit qui gen pour avec des actes de concussion avez dit côté nèg qui dans ministère prend l'argent dans main ti moun yo etc. dit yo ka fè yo bénéficier de bourse puis aller étudier l'autre bord de l'eau. Dans cadre sélection bénéficiaire bourse étudio que Fédération Russie offre à Haïti pour année universitaire 2023-2024. Gen un montant de $715 américains. OK, yo té mandé postulant mais attention hein, pas aucune façon moun yo capable justifier montant ça à partir de bourse que Fédération Russie lui-même li accordé à Haïti via le gouvernement
en place. C'est-à-dire, son montant, il voulait faire Timounio payer indûment, selon les enquêteurs de l'ULCC. Donc, $715 américains, ça, c'est chaque grain postulant que tu dois bailler pour traitement dossier respectif dans l'ambassade fédération dans Venezuela. Frais, ça arrive collecté. Mais commission a dit, faut qu'il signale. Frais, ça n'a pas là, c'est pas le ministère des Affaires étrangères qui collecte, c'est pas lui-même qui m'a dit Timounio. C'est Pito. Attendez bien, oui, madame, monsieur. Madame Daphnica Midley Paul, qui lui-même c'est propriétaire entreprise Nika Multiservices, on va dire comme ça, LLC, qui lui-même t'a opéré d'après données enquête ULCCA, eh bien, dans tête collée, dans cocodaille, avec un monsieur qui est le Roland Garçon. Monsieur qui est le Roland Garçon, ça, lui c'est employé, ministère Affaires étrangères, nous te dit ça déjà, lui affecté dans coordination, programme boost d'études. Commission allait plus loin pour dire, pour être capable de faciliter tâche là, à madame Daphnica Midley Paul n'en rivé eh bien commettre Zaxa eh bien monsieur garçon il profiter de position en dans ministère affaires étrangères pour préparer un tableau et dans tableau ça il énumérer différents montants que postulant au doit payer à titre de frais pour capable traiter dossier monsieur garçon lui-même d'après ULCC t'es obligé agir comme ça pour être capable eh bien faire ça reler un stratagème OK pour qu'a forcer Timounio payer l'agent ça pour capable convaincre Timounio pour dire si on pas répondre à exigence ça que madame Daphnica Midley Paul pral faire roi c'est certain yo pas capable bénéficier bourse là. Eh bien ULCC aller plus loin pour le signaler montant global frais qui rivé énuméré dans document justificatif ça eh bien n'a parlé là de $715 américains qui correspond exactement à l'agent ça que madame Paul lui-même était exigé Timounio pour traiter dossier. Madame Paul réclamait à chaque grain postulant guerrier du seul $600 américains. Mais attention, il dit faut que bay moitié à d'avance, $300 et puis au montant de $115 ça qui vin bay $415. Et l'argent ça étudiant ou bien postulant ou te doué déposer avant la date du 14 mars 2023 à titre de premier versement sous compte bancaire qui numéroté comme ça 180-26-223-730-76 qui domicilié dans Unibank au nom de la dame Daphnica Midley Paul. Commission a dit guerrier du seul. Relevé compte bancaire ça que Unibank eh bien communiqué by ULCC lui permet enquêteur constater sorti 11 pour arriver 21 mars 2023 guerrier du seul, il y a 35 dépôts qui effectué sous compte ça qui totalisé l'argent ça ne va pas là qui c'est $15,000 américains. Commission a vérifié à partir de nom qui figurait sous fiche dépôt yo, eh bien parmi 35 dépôts yo, il y a 28 OK qui accusé au montant de $415 américains et c'est candidat pour bourse étudio qui était fait dépôt ça pour madame Daphnica Paul n'a parlé de bourse d'étude que ambassade Fédération Russe dans pays Venezuela lui-même les offrir à Haïti. Commission a dit le constater on l'autre bord pendant mois mars 2023 il y a 3 virements de fonds qui fait sous compte ça qui a joué dans l'autre compte en banque yo constaté 3 virements ça li totalisé un montant de $10,644 américains. C'est madame Paul qui effectuait et bien virement ça sur le compte bancaire 351-100-322-57 qui sont compte bancaire qui domicilié dans BNC Banque Nationale de Crédit et qui c'est pour Roland Garçon. ULCC, eh bien, gagne pour preuve, copie conforme, formulaire transfert à l'agence A via sa relais système de paiement interbanque local que nous connaissons sous nom SPIA et ULCC lui-même, je ne formule ça, qui datait 19 juin 2023. Tout fait ça, selon ULCC, prouvé que M. Garçon était effectivement associé avec madame Paul pour capable peser coup étudiant pour capable casser pour être étudiant pour capable fouiller main dans poche étudiant OK pour prendre de force l'argent comme quoi yo ta doué payer pour bénéficier eh bien boussa alors que l'argent ça yo pas écrit pièce côté et yo pas arrivé pièce côté il pas arrivé pièce côté dans caisse ministère affaires étrangères en commerce dans direction question affaires culturelles là et ULCC aller plus loin guerrier de seul fuck yo préciser suivant information enquêteur arrivé joindre pendant enquête là ministère affaires étrangères pas bénéficier un dollar dans cob garçon a demandé Timounio ensemble avec
Daphnica Paul. Donc c'est l'agent personnel yo, etc. pour yo mettre dans poche yo carrier Dieu seul. Monsieur Garçon et Madame Paul, en guise de conclusion, selon ULCC, doivent répondre pour ça que commettre là devant la justice pénale. Selon ULCC, il y a évidence que acte opposé dans cadre processus sélection bénéficiaire bourse d'études offerte par le gouvernement russe à Haïti constitue ça relève des infractions de concussion ou bien d'association de malfaiteurs qui prévoit dans loi 12 mars 2014 là qui est pour avec prévention et puis répression corruption. ULCC dit guerrier du seul sous base ou ensemble d'informations yo rivé joindre dans cadre enquête là yo obligé recommander parmi un paquet l'autre recommandation sur le plan administratif tant pris souple ministre affaires étrangères là ensemble avec gouvernement mettez en disponibilité et ceci sans solde monsieur Roland Garçon parce que doit être monsieur Long monsieur identifié dans numéro NIFSA 03 003-578-741-2 mettez le sous côté comme fonctionnaire ministère affaires étrangères et des cultes et sur le plan pénal ULCC mandé pour mettre action publique en mouvement contre monsieur Garçon pour concussion et association de malfaiteurs et également action publique en mouvement contre la nommée Daphnica Midley Paul identifié dans le numéro NIFSA 007-732-245-7 pour complicité de concussion et association de malfaiteurs parce que lui-même l'arrivé aider monsieur Garçon ou Roland Garçon n'en commettre crime de concussion ça et ceci conformément à ça article 45 224 225 et suivant également et l'autre article dans code pénal haïtien l'autre article qui suivio yon l'autre bord ULCC recommandé à autorité compétente pour entreprendre les démarches nécessaires pour faire madame Midley Paul retourner dans pays au plus vite ou bien extrader vers Haïti le plus vite pour capable répondre avec Zach Yorepochelio par devant de la justice haïtienne. Voilà, madame, monsieur, j'aime te promettre nous ça. Moi, penser au moins, moi, t'es assez utile dans l'idée de comprendre un ensemble de bagailles qui dit et dans le rapport ULCCO. À part de dossier ça que moi-même, je travaille sous lui, que je plus ou moins disposé un ensemble d'éléments, je fais enquête PAM, mais tout l'autre dossier, ce n'est pas moi qui fais enquête. Yo. C'est ULCC qui fait enquête yo et c'est ULCC qui lui-même parle avec monde qui concerne yo et c'est ULCC qui produit et rapport et qui fait recommandation. Moi-même encore une fois, m'pap j'aime